Bonjour, bonjour à tous, du rock et du groove dans le Grand Bazar aujourd'hui sur Maritima. On est avec le groupe Old Factory. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Lucas. Bonjour à toi. Bonjour Alcan. Bonjour. Ça existe Alcan dans le calendrier? Pas du tout. Ah, parce que je me suis dit Alcan, joli comme prénom. Hein. Tu as fait un procès à tes parents? Non, pas encore, mais je compte bien le faire. Vous êtes originaire d'Aix et de Marseille, c'est ça? C'est ça, alors tous les deux on est de Marseille, mais bon, on dit bonjour aux copains. On est en gros entre Aix, Marseille, Mimé, la formation. Ouais. Alors vous êtes 5, le groupe s'est formé il y a à peu près 3 ans. C'est ça, ouais, on a 3 ans, hein, mine de rien, ça fait un petit moment, 3 ans. En 2015, comment vous êtes rencontrés tous les 5 Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait rigoler parce que c'est toujours un peu banal. Mais bon, à la base. Sur les bancs du lycée, sur les bancs de l'école, c'est ça? Pas loin, en fait, on est des potes hein, qui ont un amour de la musique, une passion de la musique. Et du coup, bah, on s'est associés en fait, entre copains à la base pour faire un truc. Et ensuite, on a eu l'idée de développer le projet, de commencer à travailler une identité, un projet un peu plus sérieux. Et on en est là. L'équipe, elle a pas mal tourné, mais voilà. Alors avant, dans le groupe, il y avait un batteur, maintenant il y a une batteuse. Flore. C'est on ça. On dit batteuse d'ailleurs. On dit batteuse, ouais, tout à fait. Ouais. Elle nous a rejoint, alors c'était donc notre EP New Century, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est ça Alcan, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'était sur le morceau qu'on a enregistré en anglais, du coup, ce que je disais tout à l'heure, maintenant on a une identité un peu plus, voilà, vraiment en fait c'est sûr en français. Et donc bah, depuis elle est toujours avec nous et c'est cool. Et tous les deux vous êtes guitaristes, hein? Le chanteur Alan n'a pas pu venir. C'est ça, Alan, voilà. Il n'est pas là, mais donc voilà, on a la partie section corde. Enfin, sans la basse, mais une bonne partie de la section corde. Alors, je disais il y a quelques instants que ça groove avec vous, parce que vous êtes un groupe avec des sonorités rock et funk également. Mm-hmm. Peut-être tu veux en parler un peu, Alcan? Oui, c'est des influences qu'on a tous en commun dans le groupe, quand même, avec des groupes qu'on a tous eus pendant notre adolescence, comme les Red Hot Chili Peppers, des groupes un petit peu comme ça, qui sont déjà eux-mêmes entre un mélange de rock et un peu de funk, pour certains. Et voilà, c'est notre univers qu'on a développé autour de ces styles-là. Et des textes aussi. Notre chanteur, il parle souvent un petit peu de Noir Désir. Il a vraiment une façon d'écrire. Voilà, on porte assez beaucoup d'attention quand même au texte. On essaie de raconter quelque chose avec notre premier EP, du coup, La Vieille Usine. Montre-le. Je sais pas où la caméra, mais ouais. L'idée, c'était vraiment de mélanger du groove, de l'énergie rock, prendre le meilleur des deux, on va dire, et d'essayer de développer une histoire autour. Donc, on disait La Vieille Usine, un bâtiment un peu magique qui est un petit peu le reste d'une ancienne civilisation finalement. Et on s'amuse en fait à décrire les tranches de vie, les personnages qui sont autour du bâtiment et il leur arrive plein de petites anecdotes et on raconte ça, quoi. Alors, le groupe s'appelle Old Factory, le premier EP donc La Vieille Usine, vous n'êtes pas si vieux que ça? Non. Quand on vous voit. Non, on n'est pas si vieux que ça, c'est clair. Mais c'était, comme je te disais, c'était vraiment le but du jeu, de dire ce bâtiment un peu magique, essayer de donner une aura. Alors pas de chance, au début on a essayé de faire de l'anglais, mais très vite on est parti sur le français, du coup. Justement, pourquoi ce choix? Tu le disais donc, avant c'était en anglais, maintenant Old Factory c'est tout en français avec ce premier EP. Eh ben, je pense que c'était, si on veut se raconter des histoires, je pense que autant utiliser notre langue, on est français quand même, notre chanteur il est à l'aise dans cette écriture là, c'est plus facile de le comprendre. Et on va pas se mentir, on n'est pas très écouté à l'international pour le moment. Donc si on veut raconter des choses, autant utiliser notre langue. Ça nous a paru logique en fait. Et donc on est parti sur ça, quoi. Alors je vous ai découvert cet été avec le festival La Guinguette Sonore. C'était à Istres au mois d'août. Vous jouez beaucoup? Faites beaucoup de scènes? On a fait pas mal de scènes finalement en 2018 justement. On a eu quelques festivals sympas, pas mal de concerts à droite à gauche. Donc c'était une bonne phase pour nous. On a pas mal ratissé le secteur local au final, on a un peu fait quasiment tout ce qu'il y avait à faire. Et là on s'est mis un petit peu en pause, du coup on s'était dit que c'était nécessaire en fait de proposer des nouvelles choses. Et donc là on travaille, on disait, sur un clip en français cette fois, parce que c'est dommage, on n'en a toujours pas. Et des nouveaux titres et un peu améliorer notre show, notre concert. On a un petit peu comme tous les groupes, hein, mais des moments scéniques où on raconte des trucs, tout ça. Et donc là on travaille un petit peu sur ça et on essaie de proposer quelque chose de nouveau en 2019. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Vous êtes en résidence où? Chez vous? À la maison? Non. Dans un local? Dans notre Alcan. Studio de répétition. C'est à quel endroit? C'est à la Capelette. À Capelette. À Marseille. Ah oui.
C'est pas l'hôtel de la musique ? C'est ça. Ah oui. On a notre local aménagé, du coup, bon, je dis résidence, c'est peut-être un bien grand mot, mais en fait, on s'est bien calé pour avoir l'espace là en ce moment pour arriver tout brancher, jouer, et on fait ça pendant une période assez longue avant de repartir, quoi. Le clip, déjà, des idées, des pistes sur le scénario, sur l'histoire ? Ouais. Alors, tourner encore dans une autre vieille usine, peut-être ? Alors, on va peut-être pas tout dire. On va pas tout dire, mais du coup, oui, pour le moment, moi, je suis en train d'avancer sur le script avec des amis, on travaille très clairement dessus. Ça avance, c'est pour dans pas trop longtemps, j'espère. C'est une boîte de prod qui le fait, le clip? Alors, ou c'est fait at home? C'est de l'autoproduction, ouais. Toujours. Ouais. Donc là, c'est autoproduction pour l'instant, et en fait, on a déjà enregistré le morceau. On est sur la fin, en gros, du mix final, et on avance sur quel titre? Est-ce que c'est sur celui qu'on va écouter, Dr. Willy? Non, juste... C'est pas sur ce titre-là, mais il y aura sûrement un rapport avec. Ah, ok. Toujours dans la logique de voilà, ils sont très mystérieux, Old Factory. Hein. C'est encore un peu flou pour le moment. C'est pas encore, tout n'est pas encore concret, quoi. Et alors, si on veut vous écouter, vous découvrir, les réseaux sociaux, Facebook, y a un site internet? Alors, on n'a pas de site internet, mais comme tous les groupes de 2018, on a donc des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on est sur toutes les plateformes de streaming envisageables et existantes. Donc, si vous nous cherchez, vous nous trouverez sur internet, et l'EP est dispo. D'accord. Disponible uniquement sur les plateformes numériques, pas physiquement, pas de... Alors, si on a un CD, mais pareil, on est en do-it-yourself, on le distribue nous-mêmes. Donc si ça vous intéresse, c'est possible de nous contacter. Si vous les croisez dans la rue, les distribuez, voilà, comme ça, la volée. On a une petite chariote. Et sinon, on les vend à la fin des concerts, évidemment, quoi. Old Factory était nos invités aujourd'hui sur Maritima. Merci beaucoup, Elkan. Salut, Lucas. Merci à toi. Et on l'écoute, ce titre, vous allez voir, ça groove, c'est Dr. Willy. Dr. Willy, tu regardes dans le ciel. Y'a comme un bruit qui appelle. Oh, Docteur Willy, là c'est des gens. Tu attends le signal clair, l'instant où tu t'envoleras dans les airs. T'envoleras dans les airs. Willy, lorsque tu bois le sang des rois, et oh, le cœur te noie l'esprit, tu plonges encore. Toi.